Oh,
papa. Hallelujah. So you are not soon. You are happy and you are sending me Christmas, you are sending me birthday card.
na je se me hu atọ me na me ni aje e ti ama mso oni ho na busua ni ni hente no e na me se 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 pena obi aye wo ni se se me bia wo mra me Yeah.
Amen.
by any on Ranka Sanity. Was show soon or walk by. Were you the Dreditra, would none of sorry? Were you not the Dreditra, who Freddy Luffy by him? I have run it drawn on air poovie, Nakaya Jamfuno. That's what Doy and Bebre. Shatty Yemi Panayo, that's what Muya were teaching. Now a friar no, ye. Come from our woman. The wish I do a woman, what's nothing? What did the penny of a good man and Demma? I said, the devil, now won't cost a young man, Serati. I want to wake up, ma, and you call me Serati. And you are a rat in your head. Naya, would you cool my idea and go now with your mark? Yes, now and we are. Naya mouse, you can say, if it's Uncle Tona, who fatter. Who fatter need dear, now fatter and come for. Say, Bibi, what's in that chair? Say, Bibi, why are you here? But trading up on Yame, Kayadinin, you know, be mouth. And they are my crop, I drink crop, your boy, your moss, a castle, or rabbit, two I ye. Or rather, a castle, but two tonto. Who any jet? Ah, what you have been through, my sorry. What at the power, what you have been through, who assembly, a Paris city. And they are my cross, Saudi, your mountain, Concorde, so. Or rather, a castle, but two I ye. Sans Uncle Tona, who fatter. What fatter say, I did not send in tonto with your mouth. Amen. 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 Hallelujah. Amen. And they bet you, I said, the answer and ocean surround Mr. Suruha and how bright the beer sent. Hallelujah. And that day, says, oh, oh, one can be cry. We have some meeting as Suruha. You heard a putty here, young, you know, district pastor or so who will be a boss of Sutty Nogum. I'm your phone. You heard from us, Mama Ellen, your mommy, Papa Pesas, so who I knew her. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But I preach in French. Don't pay us one day, meet me a preacher. Tune. Ça va, merci. Tout d'abord, je tenais à remercier l'église. Dédicat, mais ça me donne un sourire nassé. Je voudrais remercier notre pasteur du district. Mais dans son fou, district pasteur Soassi. Ainsi que l'ancien principal de l'Assemblée de Paris City. Presiding elder of Paris City. Pour m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de partager une parole avec vous. J'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Et je sais qu'on va repartir tous ici avec quelque chose en plus. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est Partage ton trésor. Le titre de mon message est Partage ton trésor. Ah, and see, share. Partage ton trésor. Quand je dis partage ton trésor, ça veut dire que tu es quelqu'un de riche.
In this case, Che will jump at the chest, we will be a we are. Donc comme aujourd'hui tu es riche, dis à ton voisin qui est à côté de toi, qui partage sa richesse. Dis à ton voisin, partage ton trésor. Si elle partage son argent avec tout le monde, elle donne un peu à tout le monde. C'est au tien ici qu'on a oublié kaka. À la fin, elle sera plus riche. Eh bien, oui, c'est non, c'est qu'à la fin. Mais vous, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a fait comprendre, si vous le partagez. Ce que Dieu vous a donné, ce pourquoi vous êtes venu à l'église et la foi que vous avez en Dieu, si vous la partagez avec les gens dehors, votre richesse grandira en Dieu. Nous allons lire une histoire dans la Bible que j'aime énormément. Ouvrons nos Bibles à 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire la Bible. Moi j'ai une histoire personnelle. Quand on dit que vous êtes quelqu'un de valeur et de précieux pour Dieu. Ça veut dire que lorsque vous arrivez quelque part, vous priez et vous apportez une différence. Je connais une dame, moi j'ai un ami au travail. Sa femme est chrétienne. Lui, il était chrétien avant. Et il y a peut-être 4-5 ans, il avait arrêté. Il avait arrêté de pratiquer, on va dire. Ils étaient mariés, ils étaient ensemble, ça faisait déjà plus de 30 ans. Malgré qu'il avait fait, c'était un catholique, hein, comme on dit catéchisme. Quand ils vont à l'église, ils font le catéchisme. Alors, quand il a commencé, il était dedans, il était impliqué à fond. Il a eu 2-3 problèmes, il a complètement arrêté. Et sa femme, elle a continué. Il a commencé à être mauvais avec sa femme. Il commençait à être vraiment méchant avec elle à la maison. Il faisait tout pour la décourager, pour qu'elle arrête d'aller à l'école. Lui, il avait perdu ce que Dieu lui avait donné. Mais sa femme, elle l'avait gardé en elle parce qu'elle savait que c'était quelque chose d'important. Et malgré 2-3 années difficiles en tant que marié, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a continué à le nourrir encore spirituellement. Le matin, il laissait sa Bible ouverte sur la table exprès à côté de son petit déjeuner. Sur le frigo, elle mettait un petit verset. Avant, quand son mari va ouvrir le frigo, comme ça, il est obligé de voir le verset. And a fridge in the sun, now I show Bible verse, you know, they are carrying on. À chaque fois que son mari lui parlait, elle lui répondait avec un verset biblique ou avec la parole de Dieu. Et malgré la difficulté, elle a réussi à faire revenir son mari. Elle a réussi à faire revenir son mari.
Donc son mari a retrouvé sa richesse. Et aujourd'hui, quand il parle, tu vois qu'il a vraiment compris pourquoi Dieu. Donc nous allons commencer à lire notre verset. Et on va faire. On va comparer cette histoire avec aujourd'hui un peu. On va lire à partir du verset 26. L'histoire, c'est juste si je résume l'histoire juste avant, c'est le roi Ben-Hadad. Le roi de Syrie qui est parti attaquer la Samarie. C'est le roi de Syrie qui est parti attaquer la Samarie. Et dans la Samarie, il y avait une grande famine. Ils étaient désespérés. Il se passait des choses là-bas, comme on peut voir des choses ici aujourd'hui dans le monde actuel. Et on va voir par rapport au déroulement de l'histoire, qu'est-ce que nous on peut en tirer. Je vais commencer à le lire en français. Je lis à partir du verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Il répondit : Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu ? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. Amen. Na Israël, Eric, first rule as well. Or baby, a bon, say, Ura or Hene, Boame, na or say, Sir Eradia Mwawa, may free him, Namaboa war. In free a free a beer, Anna, and Sir Echi Amna Emu, na or Hene, a car, a chair, and say, Adiana, a yawo, na or say, or bay catcher, and say, Fauba, my yenny. Nenam ene na yedi meba enam ochina na yenua meba no edi na adiachi yenu mese no se fa oba ebra mayendi na wade nebano ahinta. Amen. Amen. Quand on voit cette histoire, on voit c'est quelque chose vraiment de catastrophique, quelque chose qui est vraiment grave. Il s'agit d'une histoire na it's musa na assembly serious name. Quand on regarde aujourd'hui un peu dans le monde, on voit des cas où dans des pays, dans des endroits, les choses sont dures, difficiles. Même chez nous, si on transpose aujourd'hui, on voit des gens qui sont désespérés, qui font appel à des faux pasteurs ou qui pensent que une personne précisément peut les aider. Et on leur demande de faire des choses qui sont vraiment, on va dire, ignobles. On trouvait à ce moment-là dans ce pays que la famine était très 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 dure et très très développée jusqu'à un point où des mamans ont mangé leurs propres enfants. Les choses étaient tellement chères, comme si aujourd'hui vous disiez que vous allez acheter, je sais pas, encore. Peut-être le kilo, c'était peut-être 200 euros, juste pour avoir un kilo de coco.
And even my idea to the extent that I said, and the old cost of a cock or tall, but the cocoa, who beats me in a 1 kilo for, but it's like 200 euros. Donc, vous aujourd'hui, quand vous êtes dans des situations difficiles, Internet, so who are situation in Muya Dimwa? Sur qui tu te confies aujourd'hui? And why now do you want to know? Est-ce que tu vas aller te confier au président? Est-ce que tu vas aller te confier à ton voisin? Ou est-ce que tu vas aller te confier à ton Dieu? Aujourd'hui, quand tu regardes même quand les choses dans le monde ils tournent aujourd'hui, quand en ce moment ils parlent que de le développement, l'environnement, ça devient chaud. Internet, the way I was saying, Kono, the Omuka Wansemani development, the environment, and only topics of Omuka Wansemuka. Toutes les semaines, on suit le roi lui-même et celui qui s'humilie. Et tu vois, on est là, on a appris les grands stars. Dis-moi que personne d'autre à part Dieu ne t'aide. Et on fait au quartier, on vous aime bien, les mots à part pour m'y aller, on est venu à voir. Amen. Il y a une chose qu'aujourd'hui, on peut voir, si je ne sais pas si vous vous souvenez, tu y allais. C'est qu'on pouvait voir même des gens qui étaient habillés comme lui, il s'habillait. Ils avaient les mêmes vêtements que lui. Ils marchaient comme lui. Lui, il avait un pas, il faisait tout le temps. Il faisait pareil les gens. Pendant son cercueil, il passait. Hein. Les gens, ils avaient des tatouages, des t-shirts. I love Johnny. Un tatouage, ça n'a rien à voir avec mon t-shirt. Il y a marqué en grand, I love you, Johnny. I have shirt, c'est où ni mon, I love you, Johnny. Donc, quand tu regardes le monde aujourd'hui, on est tourné vraiment uniquement vers les choses qui intéressent le monde aujourd'hui. Et si mon c'est né au rien si mon, et rien si ni na eco direction na, et rien ni ma, et rien si ni ni en rien si ni paix. La question que moi je voudrais vous poser à vous aujourd'hui, si le monde s'habille comme Johnny Hallyday, ou si le monde fait les choses comme le peuple souhaite que l'on fasse, vous qui êtes riche en Jésus, est-ce que vous allez chercher à ressembler à Jésus? Est-ce que vous aussi vous allez porter les vêtements de Jésus? Est-ce que vous allez faire les mêmes choses que Jésus a fait? Est-ce que vous allez vous comporter comme Jésus l'a fait? Je sais qu'on n'est pas parfait. On peut faire plusieurs choses, on va souvent tomber. Est-ce qu'on va chercher à lui ressembler à Jésus? Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Si aujourd'hui les gens de l'église sort pour aller vers le monde. Because c'est né nous ni pas à sortir nous personne nous pied dans nos corps et bien ça. Faut que vous qui êtes ici présents vous ramener des gens du monde pour les ramener à l'église aussi. Et on sait où tu me dis et bien ni pas où bien c'est nous disons pas à sortir nous. Parce que je vous dis le travail de Dieu si c'est pas vous qui le faites personne ne le fera pour vous. Because les quatre enseignants miens du mal enseignants ou mini ou ne veille à ou bien ne veille à rien. Si c'est pas vous qui mettez les vêtements de Jésus, personne ne les mettra pour vous. Donc vous aujourd'hui commencez à ressembler à Jésus. Partout où vous allez parler comme Jésus. Marchez comme Jésus, vivez comme Jésus. Nous allons continuer à lire l'histoire. Nous allons avancer un peu. Donc nous allons passer au chapitre 7 directement. Second Kings chapter 7. Okay. Donc là, à ce moment-là, la ville c'était vraiment difficile, vraiment dur. Hein. Et la chose que le roi a fait,
qu'il a voulu attaquer le prophète Élisée. Le chose que le roi a fait quand il a déchiré ses vêtements, il en voulait à Élisée, le prophète Élisée. Celui qui travaillait pour Dieu, hein, il voulait attaquer celui qui travaillait. Non, parce qu'on dit hier, Etia Elijah. Non, Elijah. Il voulait tuer Élisée à ce moment-là. Non, parce qu'on coupe Elijah. Donc, comme aujourd'hui, vous voyez, quand vous faites des choses pour Dieu tout le temps, on vous en veut, on vous envoie balader, on vous dit, ah, on ne me parle pas de Jésus, ou ne me parle pas de Dieu. Donc, le roi à ce moment-là, il n'avait aucune pensée pour Dieu, aucune pensée pour lui. Donc au lieu de trouver une solution lui-même, c'est la personne, le prophète, c'est le prophète qui voulait attaquer. Et le prophète a prophétisé, a dit qu'est-ce qui allait se passer. Et donc on va suivre le reste de l'histoire, ce qui est très intéressant. À partir du verset 3. Il y avait là à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens des bruits de chevaux, des bruits de chars, d'une grande armée. Et s'ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens vont venir nous attaquer. Et ils levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule. Le verset 8. Les lépreux étant entrés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils allèrent cacher et ils revinrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, du châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Donc, 2 Rois, chapitre 7, le verset 3, le verset 3 à 9. Na marima akwatafuo ba nan wo kuru no kono ano na osisi wo ho na marima akwatafuo ba nan wo kuru no kono ano ba nan wo kuru no kono ano na osisi wo ho se adan na yetete ha kosi se ebewu se yesi yebeshani kuru no mu wa ene ekom wo kuru no mu na yebewu ho na se yetete ha yi nso a yebewu na afei momra ma yenkohwe se sirafiu siraban no mu se wogye yen nkwa a yebetena ase se wokko okun yen nso a yawu na wosore nsiraban mu na wodru sirafu nsiraban tia no na hwe onipa biara ni ho na awurade ama siriafo don ate ntiasia namne apongo ne don kesie nka na wosisi won ho se hwe Israel hene akwaje hetifo ahemfo ne Mizrim ahemfo adom atiaye se womra yenso enso no enti anwumra form was sorry dwane na wogina won ntomadan ogya won ntomadan ne won apongo ne won mfunumu ne nsraban no sedie etie no na won akwanti odwane enwotwene na akwatafo no duru nsraban no anono wokɔ ntomadan baako mu kodidi no me na wofa dwetani sika ne ntoma firi hɔ kɔe de ko huntai
na wo sane pa be hyene ntomadan foforo mu na wo fa ho adie nso na wo kọ de kuhuntae enkono no ena wo sisi won ho se dien na yere yoyi nye die yere yoyi nye enne da yi ye nsempa ye twen kosi adekia eso bi beto yen kom na afei mma yenko ahemfie nkoka. Amen. Ce que j'ai bien de cette histoire, c'est les quatre lépreux. Ils faisaient partie de la ville qui était dans la crise. Eux, ils ont fait le choix d'aller dans le camp de l'ennemi. Mais Dieu déjà avait déjà tout planifié, avait déjà tout réalisé. Et moi, ce qui me fait rire, ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est que les lépreux, on les met à part, ils sont malades. Pourtant, c'est eux qui ont découvert le camp des Syriens vite. Donc quand ils ont commencé à voir le camp, ils ont commencé à manger, à faire la fête, à prendre les choses, à les cacher. Ils étaient seulement quatre, hein, alors que dans la ville, là, il y avait des milliers de personnes qui souffraient. Donc ils ont mangé, ils commençaient à cacher les choses, l'or, la richesse. Et après, ils ont eu une réflexion, c'est ça qui m'a touché. Ils se sont dit, si, qu'est-ce qu'on est quatre là, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'ils ont laissé, toute la richesse qu'il y a, est-ce qu'on va le manger que nous quatre ensemble? Ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit qu'il faut qu'on retourne dans la ville et qu'on aille prévenir la ville qu'on est libre. Que la famine est terminée. C'est qu'on a bébé. Que la souffrance est finie. Donc quand tu regardes aujourd'hui, toi qui as trouvé l'église, la richesse dans l'église. T'es ici, t'as trouvé, tu connais le royaume de Dieu. Tu sais ce que Dieu a prévu pour toi demain, tu sais ce que tu Donc toi aujourd'hui, tu es comme les lépreux. Tu as trouvé le trésor. Est-ce que tu vas faire comme les lépreux? Tu vas aller dehors et tu vas aller dire aux gens que tu as trouvé la richesse et que tu veux le partager avec les autres. Parce que quand tu vas partager avec eux, toi, ta richesse va grandir. Tu ne perdras jamais de valeur. On va lire un dernier verset. C'est Matthieu 9. Et quand on va lire le verset, je veux que vous vous mettiez avec Jésus, à côté de Jésus. Comme si Jésus vous parlait à vous. On va lire Matthieu 9. Verset 35. Alors que Jésus faisait énormément de miracles, traversait cette ville en ville. Il a guéri des malades, donné la vue à des aveugles. Alors qu'il faisait son travail. À un moment donné, il fait un constat. Et quand il fait ce constat, moi chaque fois que je lis ce passage, ça me fait de la peine. Parce que si Jésus dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Et bien, s'il a dit ça à l'époque, c'est la même chose qu'aujourd'hui.
versets 35 à 38. Alors, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Mais quelqu'un est Matthieu, à ce moment, il travaillait un grand, il m'a dit à ça et nous, parce qu'il était un bien seul. Et puis, il y a un seul, il m'a dit, na yesu ekyiri nkuro ne nkura nyinaa mu kyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu na ɔkaa ahenniɛ no ho asɛmpa na ɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa na ɔhunuu nkurɔfoɔ akuakuo no wɔyɛɛ no mmɔbɔ ɛfiri sɛ na wabrɛ na wɔsam ɛhɔ sɛ nwan a wɔni twɛfoɔ ɛna ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ otwa adwuma no dɔɔso na adwumafoɔ no deɛ ɔsa nti monsrɛ otwa awura no na ɔma adwumayɛfoɔ mmra ne twa adwuma no mu amen amen aujourd'hui jésus te parle nti ɛnɛ yesu ne wo na ɛkasa malgré toutes les choses qu'il a fait alors qu'on connaît le rôle de jésus na deɛ yesu yɛɛ nyinaa akyi no il dit à ce moment là il avait de la pitié il avait de la peine ɔkaa sɛ saa time no ɔkaa sɛ na ɔwɔhu mmɔborɔ Quand il a vu tout le monde qu'il y avait, tout le travail qu'il y a à faire, il a dit il y a très peu d'ouvriers, très peu de personnes pour faire ce travail. Donc Jésus te dit aujourd'hui qu'il y a très peu d'ouvriers. Mais vous êtes ouvriers de Dieu. Vous aussi, vous pouvez contribuer. Je te dis une chose, c'est pas parce que tu ne connais pas la Bible par cœur que tu dois rien faire. Tu vas pouvoir peut-être lire la Bible 100 fois à chaque fois tu vas voir des nouvelles choses, des choses. C'est où tu mets la Bible pour mettre 5 times le Coran, 10 bien avec 10 bien, où bien il faut from. Attends pas d'être diacre ancien. Et tu mets un train, c'est où on va payer à son épénie. Ou tu dis le pasteur est là, c'est lui qui va faire. Ah là, ça va casser. Oh, sans foi, sans foi, du mal, c'est où payer ça. Le pasteur tout seul, il peut pas faire tout le travail qu'il y a à faire dans la. Ah, sans son coin, on te met du mal, on sait rien là. Même si on disait le pasteur, il doit se déplacer partout. Vous pensez que le pasteur il aura le temps d'aller dans chaque ville, dans toute la France? Et non, ça passe à quoi? On sait où tout coin est trop bien. On disait pasteur, mais tu m'as encore quoi? En France, non. Vous aussi, vous êtes appelé à faire le travail. On sonne bien faire, on sait où. Même si tu es pas capable d'enseigner ou de prêcher. C'est un timide pour un church, il y a bien ça maintenant un timide chrétien. Peut-être que lorsque tu parles à des gens t'écoutent. Bah c'est on n'est pas comme ça un tio. Peut-être que lorsque tu donnes des conseils à des gens, ton don Dieu t'a donné le don de bien parler aux gens, de les conseiller. Et bien un timide tu n'es pas pour mon outil. Bien il y a bien mon ça don là un timide tu n'es pas pour. Peut-être que toi ton don c'est de chanter. Et bien on va tirer la meilleure manière ça va tourner. Peut-être un son don c'est d'enseigner. Peut-être un, c'est une personne, lorsque les gens le voient, ils sont heureux, joyeux. Te sous-estime pas dans la religion, dans Dieu. Pense pas que tu es le tout petit, tu es le tout dernier, tu peux rien faire. Quand tu vois l'histoire de David et Goliath, c'est où David et Goliath story là. Pourtant, David, c'était le plus petit de sa famille. Même quand on est venu chez son père pour trouver qui était l'élu, même son père lui-même, il n'a pas présenté David. Il avait caché David en dernier. Because not David, no, ni mokra, no. Il avait présenté tous ses enfants, il avait présenté les plus forts, les plus bons en premier. Et pourtant, ce n'était pas ses grands frères qui étaient élus. C'était lui le plus petit. Et c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a battu Goliath. Donc chaque chose que vous pouvez faire, même si c'est petit,
Fais-le pour Dieu. Si tout le monde travaille pour Dieu, nous tous on pourra faire de grandes choses. On pourra aller partout dans toutes les villes faire de grandes choses. Faire son travail. Faire son travail, donc ne te bloque pas, ne te fiche pas. Aide ton ancien, aide ton pasteur dans tout ce que tu peux faire. Et Dieu te récompensera aujourd'hui. Donc n'oublie pas que Jésus t'a appelé aujourd'hui pour travailler pour lui. Et que si tu te caches et tu ne fais rien, à la fin il va venir te voir, il va te demander mais qu'est-ce que tu as fait pour lui. Alors qu'il t'a donné, il t'a fait comprendre la Bible, il t'a fait comprendre. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as gardé pour chez toi? Tu l'as caché au fin fond de ton cœur que pour toi? Même si c'est au travail ou avec des amis, n'importe où. Peut-être que tu vas parler à 10, 20, 20, 30 personnes. Et bien, en fait, tu n'es pas 20, 30 à ça. Même s'il n'y en a qu'une seule qui va venir. Ou qui va accepter ce que tu vas lui dire. Dis-toi que tu as travaillé pour Dieu. Et Dieu te bénira. Je vous encourage à partager tout ce que vous avez en vous. Ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Et Dieu vous bénira. Au nom de notre Fils, au nom du Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you.
c'est pas bien. We don't want to share what we have. Nous ne voulons pas partager ce que nous avons. Hallelujah. Hallelujah. We always want to accumulate. Nous voulons chaque fois amasser. But we need to give it out. Mais nous devons partager. And the more we give it out. Plus on partage. Hallelujah. Amen. It means we are storing our treasure in heaven. Parce que on va garder nos trésors au ciel, au paradis. Amen. Amen. He said, what we are doing is not good. Ce que nous faisons, c'est pas bien. Ce que nous faisons n'est pas bien. Parce que quand ils sont dans une chambre, il va avoir une soupe de balles avec du riz. Et comment ça va? Précédent. Praise the Lord. Et quand ils sont dans une autre chambre, il va trouver de la nourriture. Et ils ont mangé aussi. Ils ont pris de l'argent. Et dans une autre chambre, ils ont trouvé du riz. Et chaque chambre qu'ils ont, ils trouvent de la nourriture. Et ils ont mangé. Ils se sont regardés, ils se sont dit, mais ce que nous faisons, c'est pas bien. Parce que dans notre ville, il y a la famine. Une femme a déjà mangé son propre enfant avec une autre. Very sad. C'est triste. Et que la famine peut faire en sorte que les gens vont manger leur enfant. Donc une femme a amené son enfant à être mangé et le lendemain l'autre femme va manger son enfant. Et ils vont manger. Et ils se sont rappelés que ce qu'ils faisaient, c'est pas bien. Hallelujah. Amen. I pray in the name of Jesus. C'est ma prière au nom de Jésus. Hier, on a eu une réunion avec le présbytère. Je leur ai dit qu'une chose que nous devons faire en tant qu'église, c'est amener les gens à la connaissance de Christ. Parce que les pasteurs ou les églises cherchent à remplir les sièges, mais ils cherchent à ce que les gens des autres églises viennent dans leur église au lieu d'aller trouver des gens dans le monde. But the main purpose of God, mais l'objectif principal de Dieu, c'est ce que les gens viennent Christ Jesus, à la connaissance de Jésus as the Savior, en tant que sauveur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. C'est ça notre travail. And then, I charge you, donc aujourd'hui, je t'encourage. Lorsque tu as entendu ce message, as you are going, et lorsque tu parles, il faut parler la parole de Dieu où que tu ailles. Yeah, many people say, indeed, Christ is the Lord. Les gens doivent comprendre que vraiment, Christ est le Seigneur. And he's a savior. Et que il est le sauveur. Hallelujah. Hallelujah. Paul dit ça. Et comme tu n'es pas ni bien au moment tu le sais, tu sais bien. On m'a coupé, on m'a nommé. Paul voulait expliquer. Et même comme, et tu n'es pas ni bien. Que au niveau spirituel, les gens ont très faim spirituellement. Que on peut comparer ça à des femmes qui tuent et mangent. On m'a coupé, les gens qui sont dans l'adultère, les gens qui font la drogue, c'est comme s'ils ont mangé leur propre enfant. They need Christ. Ils ont besoin de Christ. They need Jesus. Ils ont besoin de Jésus. Oh, praise the Lord. Gloire à Dieu. Mais c'est nous qui allons parler la parole. And Paul is charging all of us. Aujourd'hui, Paul nous a dit d'aller là où on va aller. The little that we know, le peu que nous savons, Christ is love. Même si on ne sait rien, on sait que Christ est amour. Donc on peut partir dans le monde, Jesus, dire au monde que Christ est amour. Que Jésus est amour. Et quiconque qui vient vers lui, il ne va jamais avoir la honte. Et celui qui viendra à Christ, il n'aura jamais la honte. This is the message. Voici le message. This is the message. Voici le message. Now we need
need to cut across. Le message que nous devons envoyer. Wherever we go. Où qu'on aille. We should let people know that. Nous devons en faire comprendre aux gens. Indeed, Jesus Christ. Que Jésus Christ. Is the Lord. Est le véritable. We are going Seigneur. To pray. We are going to pray. Nous allons prier. And ask the Lord. Et demander au Seigneur. To help us. De nous aider. So that he will energize us. Nous donner l'énergie. To leur. Preach the gospel. Nous renforcer à parler la proclaim bonne nouvelle. The good news. Proclamer la bonne nouvelle. Wherever we go. Là où on va aller. Let's be on our feet. Lèvons-nous s'il vous plaît. Give thanks to the Lord. Remercie l'Éternel. For this wonderful message you have heard this morning. Ce message que nous avons. Oh, yeah.
Notre travail, c'est de faire le pain. Et le travail même, c'est Dieu qui va le faire. Et lorsque les lébreux ont fait le pain, Dieu avait déjà préparé tout devant eux. Lorsqu'ils sont arrivés dans les lieux, les gens étaient là. Et donc, vous devez faire le pain. God bless you. And now I'm me, Papa. Now, me, my father, j'ai pris ma part dans la parole. Amen. Je sais que toi aussi, tu as fait ça. Tu dis qu'il y a beaucoup de travail. Lequel est-ce que tu vas faire pour aider le travail? On aide le travail avec nos dîmes et nos offrandes. Tu offres une barbe de yen tight and offering. À ce stade, nous allons prendre les dîmes et offrandes. Thank you.
Avant, on avait l'habitude d'aller chez le couple pour nommer l'enfant, mais aujourd'hui, on a cette opportunité pour faire donner le nom et faire le dédicace en même temps. Amen. Amen. Que tout le monde s'assoie et que le mouvement cesse. Il plaît à Dieu que le mère et le père que Dieu a mis sur le cœur du couple que l'enfant que Dieu a donné à l'église sera appelé Jocelyne Ajay. Amen. Amen. Jocelyne Ajay. Jocelyne Ajay. Amen. Amen. Ni papa dit Kwame Ajay. Le père s'appelle Kwame Ajay. Ah yo. Amen. Papa dit na to no aye ne ho. Donc le père a donné son nom à l'enfant. Alors au fie ni mi so ho. Est-ce qu'il a un surnom? Ano ani Jocelyne Ajay. Et que ce nom fasse partie des grands noms de la terre. Nous prions pour sanctifier le nom avec le sang de Jésus. Nous allons sanctifier le nom. Donc nous allons détruire toute chose dans le nom qui va nuire à l'enfant et nous allons chercher plutôt la bénédiction dans le nom sur l'enfant. Prions. Amen.
Ne remettons cet enfant
Thank you.
So we see a pastor, a district pastor will be a boss. If we see a Sadia that then in Penny Fua, we know a Dumaina, and also to Sabutuina at next side of Fay, say at the mouth.
Je voulais vous remercier tous, mes pasteurs et tous les clients. Je remercie aussi mon grand frère. C'est grâce à lui que je suis dans ce pays. Je veux les remercier. Ah, c'est grâce à lui que je suis en Europe. Je suis membre de l'église. Du 14 au 20, il y aura une session de prière. And what is the 24th to 27th of October, and also the National Children's Ministry. Du 24 au 27 octobre, afin du culte, le presbytère aura une petite prière. Je demande aussi, s'il vous plaît, pour la prière de que Dieu est la réponse. Mettez-vous dans la main de Dieu, réveillez sur vous, cette semaine, pour rendez-vous et merci de votre prière. Je demande vous les mains pour la prière. La bénédiction. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui appartient tout pouvoir, celui qui dit et a établi, celui qui vient de nous dire aujourd'hui les partages que nous avons avec le Seigneur, que le Dieu bénisse, que le Dieu est grand. But you are not here by our company, so we are not watching. Now, we are not going to be a tour of the day. Yes, we are not going to be a tour of the day. We are not going to be a tour of the day. We shall have a progressive. What's
Church of Pentecost, nation, na name, yan so ma for so for or say, Michael, ABC yan so for Obri Eboa district pastor, and if I saw the 20 in our Paris city, and then we present this our dedication certificate at the mammo, and when yame a jack, yame oba, yame son so concrete, amen, amen. God bless you, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen.